J'étais une première fois élu directeur de programme et président de l'Assemblée du Collège en année 1989. Et pendant 6 ans, je suis resté au collège et pendant 3 ans, j'ai eu la fonction de président de l'Assemblée collégiale, c'est-à-dire finalement directeur du collège. Bon, et puis maintenant, et depuis 4 ans, je suis président du conseil d'administration. Ça, c'est la carrière, hein, c'est tout. D'abord, le mot de carrière est un petit peu particulier parce que je dirais qu'on ne fait pas carrière au collège. Hein. Carrière suppose évidemment qu'on a un programme d'excellence qu'on cherche à remplir et que professionnellement, on cherche en quelque sorte à établir une position. Le collège n'est pas un lieu où on prend position. Le collège est un lieu qu'on traverse. J'ai fait 6 ans au collège et puis maintenant que ces 6 ans sont terminés, je suis revenu à mon université d'origine, qui est l'université de Paris 8. Et simplement, ce passage au collège a complètement changé ma façon de travailler et d'enseigner aussi. Écoutez, j'ai commencé il y a très longtemps à la fondation du collège, pratiquement, par faire des séminaires. Ça devait être dans les années 85. J'étais jeune professeur de lycée à l'époque. Et ensuite, j'ai été directrice de programme au collège de 1989 à 1995. Donc j'ai animé à la fois des séminaires et des recherches et organisé des colloques, etc. Donc vraiment participé à la vie du collège. Pendant environ une dizaine d'années, en fait. Et en 2004, pour le concours de 2004, j'avais posé ma candidature comme directeur de programme et ça a été retenu. Et donc là, j'ai développé un projet de recherche qui va de 2004 à 2010, portant cette fois non pas sur la question de l'université, mais sur les thèmes que je travaille de manière plus spécifique et dans mes recherches théoriques en philosophie, sur la question de l'action et l'histoire dans le cadre de la mondialisation. Comment je suis venue au collège finalement? Je dirais que c'est mon rapport aux lumières, c'est mon travail sur les lumières qui m'a menée au collège de philo. Parce que je suis une littéraire, je suis une 18e-miste de formation, mais une littéraire 18e-miste qui pratique depuis longtemps la lecture des textes philosophiques. Et j'ai trouvé dans le collège de philo une certaine idée des lumières, en accord en quelque sorte avec le travail que je mène sur les textes. Il se trouve que je suis professeur de lettres en lycée et que je travaille sur des auteurs, sur des modes d'écriture et de pensée qui se situent véritablement à la charnière entre la littérature et la philosophie. J'ai été élu au collège, c'était en 2004. Et donc, je pense qu'à cette époque-là, j'étais le seul directeur de programme à l'étranger qui venait de l'ancienne Europe de l'Est. Voilà. L'année dernière, l'automne dernier, la nouvelle présidente, Evelyne Grossman, m'a proposé de devenir le vice-président du collège, pour m'occuper des questions internationales. Ce que j'ai accepté parce que, bon, d'abord, je me sens très lié au collège. J'avais déjà plusieurs activités liées à l'international. Mais en plus, je pense que vraiment, et je me suis battu pour cela, pour que le collège vraiment renforce son côté international. Parce que même si c'est un collège international de philosophie, et
qu'il a vraiment des filières un peu partout dans le monde, qu'il organise des événements un peu partout dans le monde. Il est quand même, il a son nombril à Paris, hein, ça c'est clair. Et donc il y a même un quota pour les étrangers, il n'y a que 10 étrangers. Et disons qu'un de mes rêves, lié au collège, c'est d'annuler ce quota, donc d'avoir plus d'étrangers au collège. Ma description à moi du collège, mais la définition, est-ce que c'est une institution? D'une certaine manière, oui, puisque c'est institué. D'une autre manière, et c'est là que les difficultés commencent, ça n'est pas ce qu'on appelle une institution universitaire au sens d'un grand établissement. C'est une association. Alors, je ne veux pas entrer là-dedans parce que c'est juridique. Mais si vous voulez, en France, il y a une loi, 1901, qui permet que tout citoyen et groupe de citoyens fasse une association. Donc l'association définit ses buts, on va en parler, elle constitue son état-major et ses représentants ou administrés, etc. Oui, d'accord. C'est assez important. Si vous voulez, d'entrée de jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire une certaine fragilité d'une quasi-institution. On ne doit pas s'enraciner, ce qui fait qu'il y a même une obligation, deux ans après, pendant les deux ans qui suivent le collège, de ne pas remettre les pieds physiquement au Collège international de philosophie. Et ça, aucune institution, je crois, enfin je n'en connais pas, hein, aucune institution n'inflige cette obligation de partir vraiment, de ne pas établir de racines. On ne s'enracine pas au collège, on ne se sert pas du collège comme un tremplin pour... Alors, certes, on peut, grâce au collège, terminer par exemple une thèse, développer, par exemple pour ceux qui sont dans l'enseignement secondaire, ils ont la possibilité d'avoir du temps pour finir leur thèse. Et à ce moment-là, le collège peut servir, si vous voulez. Mais en principe, le collège ne sert à rien. Par principe, le collège, c'est un lieu passant. Je peux essayer de donner mon sentiment du collège, mais toutes les personnes que vous allez interroger vont avoir une idée un peu différente. Et déjà, il y a une discussion qui existe depuis presque toujours, je crois, au collège, qui est de savoir si le collège est une institution, voilà, ou si elle n'est pas une institution. Si elle est une institution, elle est une institution très marginale, qui veut être marginale et qui veut rester marginale. Elle est une institution parce qu'elle a des règles de fonctionnement et que ces règles, en gros, sont restées les mêmes depuis la fondation, mais en même temps, elle est en marge de toutes les institutions, ne serait-ce que du point de vue de son financement. Il me semble très important de garder à l'esprit tout le temps que le collège n'est pas un établissement reconnu par l'université, n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, n'est reconnu par aucun ministère comme établissement de recherche et comme établissement d'enseignement, et que d'un point de vue juridique, il est une association, hein, comme un club de football, comme des joueurs d'échecs ou comme une organisation humanitaire. Il fonctionne selon cette législation qui en France date de 1901. C'est une structure très très souple, mais qui implique donc qu'elle n'a pas de reconnaissance institutionnelle et officielle. Voilà. Alors, quel type d'institution? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que je crois que précisément c'est une institution qui échappe à tous les types. Dans la mesure où elle est financée par plusieurs ministères, dans la mesure où elle ne rémunère pas ses chercheurs, donc les chercheurs ne sont pas payés par le collège. Donc en fait, c'est une institution qui, c'est ce qu'a dit Derrida dès le début, entend déconstruire l'idée même d'institution. Donc je ne crois pas qu'on puisse définir le collège comme un type d'institution, mais comme une question sur l'institution elle-même. Peut-être la formulation la plus brève que je peux donner, c'est un désir d'institution. Je dirais que c'est un désir d'institution qui, à cause de ce caractère, a toujours un côté, disons, virtuel,
un côté qui reste un peu flou, un peu à imaginer, à incarner dans le réel. Mais ce qui est vraiment unique, je pense, c'est qu'on a ce cadre, disons, très ouvert, qui nous permet, qui donne au moins la possibilité d'essayer d'incarner un désir, donner corps à un désir d'institution. Il faut être aussi prudent avec le terme institution parce que c'est quand même un peu ambivalent. Il y a tout un discours institutionnel qu'il faut aussi, je pense, affronter. Il faut avoir le courage. Il faut justement, je pense que le collège est une institution qui doit justement résister aux tendances d'institutionnalisation des savoirs. Ce désir à la philosophie, donc appartient à qui selon toi? Ce désir, ce droit à la philosophie appartient à qui selon toi? Et voilà, c'est ça la question. Justement, je pense que ce désir, cet élan, si vous voulez, c'est un désir qui est inappropriable. Et justement, à ce sens-là, il n'appartient à personne. Il y a justement un paradoxe de la philosophie, que la philosophie s'adresse à tout le monde, donc elle s'adresse à personne. De ce point de vue-là, il est très difficile de dire qu'est-ce qu'un collège philosophique, qu'est-ce qu'une communauté de philosophes, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas une communauté paradoxale? Une communauté qui porte le désir de quelque chose, qui partage un désir, mais c'est un désir qui n'appartient à personne, qui n'est pas saisissable. Donc voilà, je pense que c'est une institution qui est fondée sur un paradoxe. Dans le Collège international de philosophie, peuvent enseigner des gens qui ne sont pas recrutés sur leur titre, sur leur diplôme, mais sur leur projet. Ça signifie que peuvent enseigner au collège aussi bien des professeurs d'université que des psychanalystes, que des professeurs du secondaire qui n'ont pas de thèse, que des gens qui n'ont aucune reconnaissance ou certificat institutionnel. Ça, c'est vraiment très important, et c'est très important dans l'esprit de Derrida. Il est évident que c'est en France la seule institution qui permet à des jeunes chercheurs de pouvoir s'exprimer d'abord, c'est-à-dire de pouvoir communiquer cette recherche publiquement dans le cadre de séminaires ou d'autres activités. Hein, aujourd'hui en France, c'est la seule institution qui permet ça, qui donne la parole en fait aux chercheurs. Donc personnellement, ça m'a appris très tôt à avoir confiance dans la recherche et à penser que cette recherche pouvait avoir une publicité. Hein. Donc je dirais que c'est ça d'abord que ça m'a apporté. Évidemment, qui est pour moi fondamental, c'est que, et dans son esprit aussi, dans l'esprit de la Fondation, c'est que le Collège est international. Il est international, ça signifie qu'il a statutairement un certain nombre de ses directeurs de programme qui sont les directeurs de l'étranger. Il y en a 10 sur 50, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une proportion non négligeable. Et dans l'esprit de Derrida, c'est évidemment un signal très fort qu'il voulait envoyer au monde de la philosophie à ce moment-là. Et donc, les directeurs de programme de l'étranger, mais aussi des correspondants de chacun des directeurs de programme, dans mon esprit, devaient jouer ce rôle. Voilà. Collège international de philosophie est un lieu absolument unique. Parce que d'abord pour moi c'est un lieu, je dirais que c'est un lieu de pensée. Ça n'est pas tant un lieu où l'on fait de la philosophie qu'un lieu où, comme
comme le disait déjà d'ailleurs Jacques Derrida dans le rapport bleu, qu'un lieu où se pratique une expérience de pensée, où les chercheurs, les directeurs de programme, mais aussi les intervenants extérieurs peuvent pratiquer précisément une expérience de pensée, où justement la philosophie est toujours prise en quelque sorte dans un rapport A, que ce soit un rapport à la littérature, un rapport à l'art, un rapport aux politiques, à l'économie, à la sociologie, aux nouvelles technologies. À chaque fois, il ne s'agit pas de philosopher au sens étroit, si je puis dire du terme, mais de mettre en rapport la philosophie avec son autre, avec son propre dehors, de questionner finalement les frontières, les marges de la philosophie. Donc déjà pour moi, expérience de pensée, puisque c'est la pensée qui est au centre, dans la mesure où il y a toujours une sorte d'extériorité radicale de la pensée par rapport à la philosophie par concept. Et par ailleurs, la structure même de fonctionnement du collège offre un lieu propice à cette expérience de pensée. La philosophie n'est pas un corpus, la philosophie n'est pas une spécialité, elle est le vecteur d'une interrogation sur les champs de savoir, sur la théorie, sur l'épistémologie, et c'est pour ça qu'il y a, comme vous le savez, toute une série d'intersections philosophie et surtout pas philosophie de, je ne me souviens plus très bien, la science, hein, philosophie et science, philosophie et art, peut-être philosophie et littérature, je ne me souviens plus, philosophie et droit, etc. De toute façon, c'est extensible. Hein. On en a pu en mettre d'autres. Philosophie et droit, philosophie et économie, il n'y a pas assez de philosophie et économie. Bon, philosophie et quelque chose, jamais donc une position de surplomb de la philosophie. Jamais philosophie de l'histoire ou bien philosophie des arts. Parce que nous avons abandonné au collège très vite hein, cette prétention impériale d'un discours qui viendrait en surplomb donner raison hein, de toutes les formulations théoriques dans les champs de la connaissance. Alors, et même, et ça c'est très important, philosophie et philosophie. Ça, on tient beaucoup à ça. Hein. C'est-à-dire que la philosophie, elle est elle-même une question. Elle n'est jamais constituée. Ça n'empêche pas qu'évidemment, les universités, heureusement, font l'histoire de la philosophie. C'est essentiel, l'histoire de la philosophie. Et qu'il y a des corpus et qu'on étudie des auteurs. Les universités sont faites pour ça. Hein. Ou maintenant, bon, des médias font, des journaux sur, voilà, raconter Kant en trois articles, etc. Bon. Il n'y a pas de problème. C'est un patrimoine, c'est un corps. Mais au collège, la philosophie, c'est, pour reprendre un mot de David Goodstein, qui pourtant n'était pas au départ une référence très collège, mais la philosophie est une activité. Voilà. Hein? Et au collège, la philosophie a été et continue d'être une activité beaucoup plus qu'un savoir. Il y a de la transmission. Mais ce n'est pas la transmission d'un savoir institué, c'est toujours un questionnement d'où cette section philosophie et philosophie. Si vous voulez, on pourrait énumérer systématiquement les différences. Elles sont nombreuses, capitales. L'une d'entre elles, peut-être la plus frappante, le collège de philosophie ne délivre pas de diplôme. Qui prend le chemin des universités? Les étudiants, en vue d'obtenir un DEA, un master, on dit aujourd'hui, faire une thèse, etc. Le collège de philosophie n'est pas un tel lieu d'enseignement, puisqu'il ne délivre aucun diplôme. Je vous rappelle quand même que les gens qui travaillent au collège le font gratuitement. Hein? Souvent, les critiques du collège disent « Mais c'est scandaleux, l'État donne de l'argent à ces gens qui... » voilà. Mais ces gens font ça gratuitement. L'argent est uniquement pour le fonctionnement. Hein. Personne n'est rétribué pour ses activités au collège. Et même tous les invités qui viennent de très loin, hein, qui sont des gens très prestigieux, grands
grandes personnalités reconnues ailleurs savent très bien qu'au collège, on n'est pas payé. Ils viennent donner une conférence gratuitement. Je pourrais vous citer hein, des Putnam, etc. Ils n'ont jamais touché de l'argent. Ils sont venus pour le collège. Donc, le collège, c'est une institution gratuite, pas seulement financièrement, mais aussi gratuite parce que le savoir y est gratuit. Il n'a pas de finalité. Hein. Il n'y a pas une, il n'y a pas de... d'utilité du collège. C'est pour ça que je vous dis, il ne sert à rien, hein, il n'y a pas de but. Hein. C'est un lieu donc, de bouillonnement intellectuel où il se produit des choses, parfois des choses farfelues, hein, parfois des choses peut-être qui ne mériteraient pas d'être là, mais c'est le risque, c'est la prise de risque. En tout cas, il travaille sans rémunération. Écoutez, ça aussi, c'est la, ça aussi c'est, je l'ai dit au départ, parce que ça n'est pas un établissement universitaire. On prend des gens dont le métier est d'enseigner et de chercher, les enseignants-chercheurs, soit du secondaire, soit du supérieur, et ils, on les, parfois on les détache un petit peu, parfois ils viennent en supplément faire leurs travaux, ils ne sont pas payés pour ça. C'est cette chose assez extraordinaire, une espèce de... bénévolat n'est pas un bon mot, gratuité n'est pas un bon mot. C'est une sorte de service accompli sans rémunération spéciale, avec toute espèce de gratification compensatoire. Je veux dire ceci. Je pense que la différence se joue à un triple niveau. Premier niveau, je dirais qu'au collège, on pratique une interdisciplinarité au sens vrai du terme. Non qu'il n'y ait d'interdisciplinarité dans les universités, où l'exigence de travail interdisciplinaire vient de plus en plus au centre. Mais je pense qu'au collège, c'est véritablement l'entre, la circulation entre, qui vient au cœur du questionnement. Et je pense qu'en France, tout du moins, j'y insiste, c'est encore au collège qu'on peut travailler véritablement un texte philosophique en tenant compte de son écriture, de son argumentation, de sa rhétorique. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans l'inter, dans l'entre et dans l'avec. Et ça peut motiver toute une épistémologie. La deuxième différence que je vois, très importante aussi pour moi, c'est le statut égalitaire qu'il y a entre les directeurs de programme. Puisque quand on lit le rapport bleu, on s'aperçoit que même un enseignant du primaire peut en droit, et ce en droit est fondamental, postuler une direction de programme. C'est-à-dire que peut devenir directeur de programme quelqu'un qui est aussi bien enseignant du primaire qu'enseignant du secondaire, qu'enseignant du supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un statut d'égalité, hein, quel que soit leur statut institutionnel, professionnel ou autre, les directeurs de programme peuvent mener un programme de recherche. Et pour moi, ça, c'est véritablement la dimension démocratique au sens plein du collège. Il faut bien dire qu'à l'université, bien souvent, je ne dis pas toujours, mais bien souvent, seuls les professeurs en titre sont habilités à mener un séminaire. Ce n'est pas le cas au collège. Hein. Ici, c'est véritablement une possibilité qui est ouverte à tous, quel que soit leur titre, puisque le seul critère de sélection des directeurs de programme est la richesse, l'ampleur, l'intérêt, la fécondité du programme de recherche qu'ils proposent. Et puis, corollairement, ça serait la troisième différence que je verrais. C'est le fait que le collège est ouvert en droit et en fait, et il faut s'en réjouir, à tout public. Et ça pour moi c'est fondamental. Dans ma pratique d'enseignement au collège, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est aussi pour moi la mise en acte de l'hospitalité chère à Jacques Derrida. Hein. Et ça engage aussi pour le directeur de programme ou pour le chargé de séminaire qui est face à ce public, ça engage aussi une réflexion sur le statut, sur la teneur, sur le contenu, sur les modalités de la parole même
qu'il est en train de pratiquer. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que ça m'interroge sur comment se tenir à la fois en situation de séminaire, à la fois dans l'exigence de complexité et dans la nécessité à un moment donné de traduire. Quel rapport à la communauté se trouve mis en jeu? Et pour moi, ce public ouvert à tous constitue la chance et l'originalité du collège. En fait, la plus grande différence, c'est l'absence au collège, l'absence d'identification préalable de l'objet de la recherche. C'est-à-dire que la recherche à l'université et l'enseignement aussi répondent à la notion de programme, c'est-à-dire d'identification préalable des objets. Au collège, précisément, il y a bien du programme, puisque les membres s'appellent des directeurs de programme, mais le programme, en quelque sorte, s'invente à mesure de la recherche. Il n'y a aucune identification préalable des objets. Pour moi, c'est là la principale différence. En dehors, bien sûr, des problèmes institutionnels, mais d'un point de vue philosophique, il n'y a pas de prédétermination des objets. Mais dis donc, je me demande si il n'y a pas, il n'est pas nécessaire de nécessaire le programme, le curriculum en total pour maîtriser la philosophie, la méthode de la philosophie. Il n'est pas nécessaire. Alors là, effectivement, je crois que il faut, pour comprendre ce problème qui est très important, effectivement, il faut revenir à ce que dit Derrida dans son livre « L'université sans condition ». C'est la question du conditionnel et de l'inconditionnel. Ce qui est inconditionnel, pour Derrida, et ce qui a beaucoup compté dans sa fondation du collège, ce qui est inconditionnel, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la liberté totale qui ne répond pas à un programme, c'est-à-dire à une détermination préalable des objets. Mais en même temps, cet inconditionnel doit être ce qu'il appelle mise en œuvre, et dans cette mise en œuvre, évidemment, le programme s'invente, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, et la méthode exige effectivement une programmation. Mais le programme, la condition est seconde par rapport à l'inconditionnel. Donc, selon Derrida, l'université actuelle, en France en tout cas, n'aurait pas cette exigence inconditionnelle. C'est-à-dire que le programme et la condition seraient premiers d'un bout à l'autre, c'est-à-dire dans les exigences préalables et dans la mise en œuvre. Donc il ne s'agit pas du tout pour moi de dire on va enseigner n'importe quoi. De toute façon, c'est très simple, parce qu'au collège, tout est libre. Donc quand la qualité n'y est pas, le public n'y est pas non plus. Je veux dire que, bon, si vous enseignez n'importe quoi, n'importe comment, en général, ça n'arrive pas, mais admettons, de toute façon, ce sont des programmes, enfin des recherches qui n'aboutissent pas, parce qu'il n'y a pas de public. Donc il ne s'agit pas du tout de dire au collège, bon, il n'y a pas d'objet, donc on fait ce qu'on veut, c'est pas du tout. Non. Mais c'est un rapport différent entre la condition et l'inconditionnel. Depuis sa fondation, le Collège international de philosophie a développé une conception originale de l'intrascience et de la limitrophie entre les diverses disciplines, conception très différente de ce qu'a pu représenter la Bildung traditionnelle de type encyclopédique. Cependant, à présent, 25 ans après la fondation du collège, cette conception interdisciplinaire est largement accueillie dans les institutions universitaires traditionnelles. Avec, notamment, les Cultural Studies dans les universités anglo-saxons, l'idée d'interdisciplinarité entre la philosophie, la littérature, la politologie, la sociologie, l'art et la psychanalyse s'est largement répandue. L'idée élaborée par le collège se serait-elle, selon vous, généralisée ou banalisée dans les universités traditionnelles? Ou la perspective du collège
vous semble-t-elle radicalement différente de l'interdisciplinarité universitaire ? L'interdisciplinarité ou les cultural studies auxquels vous faites allusion dans votre question, ce n'est pas du tout, à mon avis, ce n'est pas du tout du même ordre. Évidemment, pour moi, fondamental, et je le disais un mot tout à l'heure, ce que Derrida appelait intersection. Quelque part, il a écrit que s'il y avait une charte du collège, ça pourrait tenir en un seul mot, qui est le mot intersection. Alors, je crois qu'il y a pas mal de malentendus là-dessus sur la question de l'intersection, peut-être qu'on en reparlera, parce que vous dites dans votre questionnaire, mais finalement l'université maintenant, elle pratique l'interdisciplinarité. Mais l'intersection, ce n'est pas l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose de très différent. Et peut-être qu'on y reviendra dans l'autre question, mais en tout cas, dans l'esprit de Derrida, l'intersection, ça signifiait que la philosophie, pour être pleinement elle-même, ne devait jamais rester seule. Voilà. Elle devait non pas dire la vérité sur les autres disciplines, elle ne devait pas dire ce que c'était qu'un bon historien, ce que c'était qu'un bon politologue, ce que c'était qu'un bon littéraire, etc. Qu'est-ce que c'est la vérité de la littérature ou de l'histoire ou de la psychanalyse, mais écouter les psychanalystes, écouter les historiens, écouter les politologues, écouter les artistes et se remettre en cause elle-même à la lumière de ce qui était dit et professé par ces disciplines autres. Il faut insister là-dessus, c'est-à-dire c'est un collège dans lequel la philosophie reste la pièce maîtresse du dispositif, mais elle est à l'écoute des autres disciplines, sans vouloir dire que ces autres disciplines viennent comme à point ou comme renfort. Elle doit se remettre en cause en permanence. Non, c'est ça. Et j'insiste sur le fait que déconstruire n'est surtout pas dissoudre, n'est surtout pas démolir, n'est surtout pas abattre, comme le disent ceux qui ont lu bien trop rapidement la pensée de Derrida, ou plutôt des digestes sur la pensée de Derrida. Hein, c'est pas un travail de dissolution critique pure et simple, c'est aussi la possibilité de faire passer des savoirs autres, différemment constitués. Et c'est ce que font actuellement les directeurs de programme du collège qui mènent véritablement ce mode de circulation entre. Alors là encore, je crois qu'on peut se référer au livre de Derrida, L'université sans condition, où il dit que, incontestablement, l'avenir de la philosophie passera par la pluralisation des cultural studies. Donc, la philosophie va s'ouvrir aux humanités, mais il n'empêche qu'il faudra toujours qu'elle s'ouvre aux humanités à partir d'un lieu de résistance. Et il considère, pour l'instant, que ce lieu de résistance ne peut pas être l'université. C'est ce que l'université devrait devenir. Mais pour l'instant, les humanités, au fond, deviennent, on le voit aux États-Unis, un nouveau mode de police de la pensée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel académisme des humanités, il y a un nouvel académisme des cultural studies, qui fait qu'au fond, tout ça devient un nouveau dogme qui remplace le précédent, et que le collège peut avoir un rôle encore, bien entendu, dans la mesure où il serait pensé comme lieu de résistance à ce nouveau dogme. Vous voyez, c'est-à-dire, après tout, les cultural studies, pourquoi devrions-nous les appliquer comme ça? Il faut produire une réflexion sur ces disciplines. Et je crois que, effectivement, le collège est un lieu de dissidence qui devrait permettre un regard critique sur ce devenir culturel de la philosophie, ou culturel au sens des cultural studies. Parce que c'est vrai que quand on va aux États-Unis, on a l'impression d'être écrasé. On a la philosophie analytique d'un côté, et on a de l'autre, ça, les cultural studies, c'est-à-dire une infinie relativisation des savoirs, des pratiques, et on a l'impression qu'on ne peut pas échapper à ça. Donc le collège pourrait être quand même une réflexion sur ce devenir, en fait. Donc, à la différence de cultural studies ou comparative studies, etc., donc, le collège intéressé à la philosophie garde le nom de la philosophie. Par exemple, dans le programme de collège, on voit donc, le nom de philosophie, slash, économie, etc. Donc, oui, d'après vous,
Donc, il est nécessaire de garder le nom de l'université. Oui, je pense que oui, parce que c'était quand même la vocation de l'origine, d'ouvrir un lieu pour la pensée philosophique, c'est-à-dire la pensée la plus libre, hein. Je le comprends en ce sens-là. Mais en même temps, ce philosophie slash littérature, ou philosophie slash art, ou économie, ou droit, est le signe aussi d'une expérience critique de la philosophie elle-même. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'une fusion ou d'une sorte justement de mixage des disciplines. Il s'agit plutôt d'exposer la philosophie au risque d'autres paradigmes du savoir, d'autres formes de pensée, d'autres formes de savoir, d'autres épistèmes, au sens foucauldien du terme. Je pense que ces confrontations-là, ils ont, à mon avis, ils devront avoir une dimension critique. Et donc, je pense que la philosophie ne se dissout pas en s'ouvrant. Au contraire, je pense que c'était l'idée aussi des fondateurs du collège, que la philosophie, par cette expérience critique de ses frontières, de cette ouverture vers son altérité, pourrait justement réinvestir ses propres contenus, pourrait redéfinir sa propre place et retrouver justement à la fin une idée de la philosophie. Il faut dire que quand même dans les contextes universitaires actuels, par exemple dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Allemagne largement, la philosophie devient une discipline parmi les autres. Il y a une forte tendance de disciplinarisation, si vous voulez, de la philosophie, tandis que le collège essaye quand même de préserver un espace ouvert où justement une autre expérience de la philosophie est possible. Je pense que c'était justement sa vocation d'origine. Discussion qu'il y a en permanence entre les responsables du collège et les autorités de tutelle. Hein, parce que le collège est une institution effectivement très libre, si c'est une institution. En même temps, elle est redevable à plusieurs instances officielles de son fonctionnement. Elle est redevable parce que, financièrement, c'est-à-dire que le peu d'argent que le collège obtient, il l'obtient de quelques-uns des ministères. Premièrement du ministère de la Recherche, c'est vrai, c'est lui qui fournit le plus d'argent, la presque totalité des subventions. C'est très peu d'argent, hein. Je pourrais vous dire des chiffres si vous voulez, mais vous serez très très étonnés.
Ensuite, un petit peu d'argent du ministère des Affaires étrangères, à cause du caractère international du collège. Alors cet argent n'est pas donné systématiquement, il est donné en fonction des projets qui impliquent tel ou tel pays ou telle instance internationale. Et puis on reçoit, en fonction aussi des thèmes que nous traitons, des activités que nous projetons, un petit peu d'argent du ministère de la Culture et de la Communication. Mmh. Voilà. Il faut évidemment mettre à part le ministère de l'Éducation, qui ne donne pas d'argent, mais qui donne du temps pour les enseignants qui sont détachés au collège pour la moitié de leur service. Donc, ce n'est pas une institution, mais c'est une organisation qui doit son existence en permanence à un monde qui a quelque chose à voir avec l'institution. Alors, le collège essaye de trouver des sponsors, mais c'est beaucoup plus difficile quand on vend de la philosophie que quand on vend de l'architecture ou de l'art ou de la musique. En revanche, le ministère qui donne de l'argent, il n'entend plus le donner gratuitement. C'est-à-dire, il ne le donne pas parce que le collège est beau et gentil, il le donne parce qu'il pense que le collège a un rôle à jouer dans l'échiquier institutionnel et qu'il doit apporter sa contribution à la recherche et au fonctionnement des institutions. Alors ça, c'est une tension permanente, celle dont je parlais tout à l'heure, en réalité. C'est-à-dire que nos interlocuteurs au ministère, et principalement au ministère de la Recherche, nous disent « nous vous donnons beaucoup d'argent ». Ce n'est pas vrai, ils donnent... au moment où je suis parti, la dotation annuelle pour le collège était de 300 000 euros. 300 000 euros en tout. 300 000 euros pour un an, pour 50 directeurs de programme, et pour un programme dont vous pouvez avoir l'idée quand vous feuilletez le programme semestriel, pour un programme d'activité qui est absolument énorme, un nombre de colloques phénoménal, des forums, comme les forums sur le droit à la philosophie, qui coûtent très cher à organiser, comme le vôtre, et pas forcément le vôtre, mais tout coûte très cher. Et donc 300 000 euros, c'est tout à fait insuffisant pour ce qu'on fait, on est obligé sans arrêt de retrouver de l'argent. Et malgré ça, si vous voulez, le ministère souhaite que tous les ans, on envisage une sorte de... enfin, on fasse une sorte de bilan de ce qui a été fait en fonction des engagements qu'a pris le directeur, le président de l'époque, pour s'assurer que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres et n'est pas consacré à des choses qui sont indignes de l'institution. Ça, c'est, j'ai l'impression, à l'époque actuelle, bien plus douloureux que ça ne l'était au temps de Derrida. Simplement parce que le contexte économique a changé, mais aussi parce que le contexte idéologique a changé. Le collège a été fondé dans les années, au tout début des années 80, comme vous savez, à la suite de beaucoup d'études, de débats, de forums et de colloques, et des états généraux de la philosophie en 79. Et à cette époque-là, le gouvernement, donc en 83, c'était, comme vous savez, la gauche qui était au pouvoir pour la première fois depuis très très longtemps en France, et la gauche a donné son accord pour ce projet, qui était porté principalement par Jacques Derrida, mais pas seulement par lui. Et si j'ose dire, elle l'a fait gratuitement. C'est-à-dire parce que le projet était beau, parce que c'était Jacques Derrida, parce que l'époque était généreuse, et parce que peut-être les temps étaient moins durs. Mais on n'est plus du tout dans ces conditions. Le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement qui est favorable tellement aux activités qui se font au collège, mais puis surtout le monde économique est devenu... étriqué. Il me semble que le travail qui se mène au collège peut, et pourrait peut-être même être encore plus centré là-dessus, mais peut consister à questionner ce qu'André Gortz nommait la raison économique. Cette raison économique que nous avons tendance à accepter comme cela, comme une espèce de diktat. Et on peut essayer de déconstruire la question. Se demander quelle conception de la raison est en jeu dans la raison économique, dans le primat de l'économie et du profit.
On peut se demander, et ça peut être la tâche de directeur de programme du collège, on peut se demander si cette raison, si cet ordre économique mondial incarne le tout de la raison. Or, moi je suis très attachée aux travaux de Derrida, de Jean-Luc Nancy, montrant précisément comment une certaine conception de la raison, oui c'est vrai, c'est la ratio, c'est le calcul, mais ça n'est pas le tout de la raison. Peut-être que si j'avais maintenant un enseignement à faire au collège, je prendrais comme titre général, que c'est que ça la valeur? Ça vaut quoi la philosophie? Ah, alors là c'est la grande équivoque de la valeur. C'est comme on dit, ça vaut quoi dans le domaine littéraire? Ça vaut quoi un poème? D'une certaine manière, ça vaut rien. Mais en même temps, chacun sait que dans le secteur, pourvu qu'il soit culturel et rattrapé par l'économie mondiale, par exemple la peinture, un morceau de carton avec 2-3 graffitis, ça peut valoir 10 millions de dollars. Alors, donc il y a une équivoque une profonde sur la valeur. Ça vaut rien, et en même temps, dans un autre sens de valeur, ça peut valoir beaucoup. D'autre part, qu'est-ce que la valeur? Depuis Nietzsche, le grand mot de la philosophie. Transvaluation. Pendant ce temps-là, il y a dévaluation, surévaluation. La valeur, donc c'est une question qui, sous les aspects par exemple, économiques, juridiques, culturels en général, pourrait être beaucoup plus présente. Je pense quand même que on peut définir dans les humanités et dans la philosophie, si on veut garder ce nom, tout de même un paradigme d'efficacité et sanctionner, contrôler des types de recherches qui apportent quelque chose à la société et d'autres qui n'apportent plus rien. Je ne suis pas contre ce principe d'une évaluation de l'utilité et de l'efficacité de la recherche. Alors maintenant, sur quels critères? Bon. Et là aussi, je reviendrai à Foucault qui dit qu'est-ce qu'il y a dans les humanités? Il y a le mot « homme ». Il dit qu'est-ce que doit faire un chercheur aujourd'hui? Il doit inventer l'homme des humanités. C'est-à-dire, pour moi, une recherche utile, une recherche efficace, c'est celle qui cherche à inventer qui nous sommes. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Foucault. C'est-à-dire que là, les humanités doivent servir à inventer l'homme des humanités, c'est-à-dire à nous aider à définir qui nous sommes aujourd'hui. Ça, je pense que c'est très important. Dans tous les domaines, des genres, dans les domaines culturels, ethniques, politiques, etc. On ne peut pas faire comme si l'homme des humanités était éternel, quoi, cette espèce de changement. Et je crois que on doit contribuer à cette invention. Mais profondément, je ne suis pas contre l'idée d'une évaluation, si elle est bien faite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi... Il y a beaucoup de choses qui doivent être encouragées, mais aussi beaucoup de choses qui doivent être découragées. Voilà. Donc la question se pose, n'est-ce pas, quel est le rapport finalement de la critique à l'économie? Est-ce que c'est simplement un rapport négatif? Est-ce qu'au contraire, on pourrait penser aussi que l'économie elle-même, y compris pour être performante, a besoin d'une critique? Et d'une critique performante et qu'elle se trompe si elle part de l'idée qu'elle peut, dans la société de connaissances dans laquelle on est maintenant, se développer sans, justement, et cette potentialité critique. Ce sont des questions qui se posent. Et si on répond que la philosophie est fonctionnelle et à la société de connaissances capitaliste, et bien entendu, le risque, c'est que la philosophie se trouve finalement subordonnée, dans une position de subordonnée par rapport au système économique, et qu'elle ne soit appelée que pour rendre service, comme jadis, elle rendait service à l'Église ou à l'État. En revanche, si l'on pose le rapport de la philosophie au monde performant de l'économie seulement en termes négatifs, l'idée, c'est justement le risque, justement, c'est cette marginalisation et quelque part cette isolation, si l'on peut, isolement, si l'on peut dire, de la philosophie par rapport à ce qu'on pourrait appeler avec des guillemets la vie réelle, n'est-ce pas? Mais c'est une question. Moi, je pense, pour boucler, disons, votre question, que la pensée, je dirais que la pensée critique
et toutes les ressources de la philosophie et doit, pour pouvoir garder leur place, doivent elles-mêmes finalement se battre. Car il n'est pas donné d'avance dans une société que cela existe. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un monde très performant et très expert et dans lequel nous n'aurions pas de critique philosophique. Nous pourrions très bien imaginer un monde sans philosophie. Et ce monde-là, après tout, a déjà existé. Comme dit Heidegger, la philosophie est un événement, il est aussi un événement historial. Donc ce n'est pas de tout temps que nous avons de la philosophie. Et ce ne sera sans doute pas de tout temps qu'il y aura de la philosophie. Donc de ce point de vue, et la lutte pour l'espace philosophique, la lutte pour la critique philosophique est une lutte permanente. Et l'espace de la philosophie se trouve menacé tout le temps. Et se trouve menacé, et ça nous l'avons vu depuis le temps même des Grecs, des Socrates, qui est l'expression même, n'est-ce pas, de cette menace et contre le lieu de la philosophie. La philosophie, bien entendu, elle concerne le monde entier. Je ne suis pas de l'idée que la philosophie, elle appartient simplement à une culture, du fait qu'elle soit née dans la culture grecque, elle appartiendrait seulement à la culture occidentale. Je ne suis pas du tout d'accord. Socrate lui-même est quelque chose qui est un savoir qui appartient. Par tout ce que ce savoir libère, n'est-ce pas, à l'humanité. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura, si vous voulez, une philosophie socratique tant qu'il y aura des hommes. Non, ça pourrait très bien venir à disparaître, de la même manière que c'est né. Donc il y a là une dynamique historique, ou historiale, si l'on peut dire. Et donc les rapports de l'économie à la philosophie et à la pensée critique, ce sont des rapports contradictoires. Ce sont des rapports contradictoires parce que l'économie a une tendance à servir justement les études critiques. Donc ce sont des rapports contradictoires. L'institution du collège est inséparable de la question du lieu. Dans le protocole élaboré pour la fondation du collège, on lit « Ces schémas traditionnels ont marqué l'architecture de toutes les institutions de recherche et d'enseignement. C'est, sinon contre cette architecture, du moins en dehors de ses contraintes, ailleurs et autrement, que le Collège international de philosophie cherchera son lieu. » En fait, les activités de recherche et d'enseignement du collège n'ont pas seulement lieu rue Descartes, à Paris, mais aussi partout dans le monde entier. Quel rapport cette mobilité de l'institution entretient-elle, selon vous, avec les possibilités de recherche et d'enseignement? Oui, philosophus vagans. Ben, disons que bon, les philosophes étaient un peu nomades dès le début, au moins en Europe. Ils n'étaient pas d'ermites. Hein. Donc, je pense que, bon, peut-être il y a justement une lignée nomade, une affiliation nomade et cosmopolite de la philosophie. Donc, ce point de vue-là, la question de lieu, des lieux, est sans doute essentielle pour le Collège international de philosophie. Et c'est pour ça que je réponds à votre question, parce que vous me posez la question du lieu. Hein, rue Descartes, c'est quand même le nom de la revue du collège. Hein. Bon, rue Descartes. Alors évidemment, c'est un peu amusant parce que Descartes n'est pas forcément dans, si vous voulez, les philosophes fondateurs du collège, une référence majeure, hein, surtout par rapport aux Heideggeriens, etc. On est quand même là dans le temps de la métaphysique, le temps moderne, mais Descartes, n'oublions pas, ça a été aussi un cavalier, c'est donc quelqu'un qui a circulé beaucoup, qui n'est pas resté simplement en France. Hein. Donc c'est cette figure aussi du cavalier qui fait que, je crois, rue Descartes, même si factuellement, le collège est situé dans la rue Descartes, 5e arrondissement Paris, et il n'empêche que cette figure de Descartes, on peut la reprendre aussi comme celui qui gambade à travers, qui passe les frontières. Hein, voilà. Le collège n'a pas seulement vocation à enseigner et à chercher, mais aussi à intervenir. Derrida tenait beaucoup à ça. Hein. C'est-à-dire le collège, ça devait être un lieu de recherche et d'enseignement, mais ça devait être aussi un lieu de parole. Hein.
peut-être de revendication, mais pas nécessairement, hein, un lieu de profession, au sens où il emploie le mot profession dans l'université sans condition, c'est-à-dire de profession performative, hein, profession, comme on dit, une profession de foi, mais aussi au sens de l'enseignement, et vous savez qu'il confond les deux, il rapproche les deux. Donc c'était un lieu, c'est un lieu d'intervention, c'est un lieu où la parole philosophique doit se faire entendre. C'est pas où elle peut se faire entendre, c'est où elle doit se faire entendre. Or ça, c'est évidemment pas le souci de l'université, c'est évidemment pas le souci de l'institution. Alors, sous quelle forme elle peut le faire ? Elle peut le faire de différentes façons. Elle peut le faire en intervenant dans l'actualité, en réagissant à telle ou telle proposition, à tel ou tel événement. Oui, la question du lieu, c'est une question difficile puisque le mot lui-même, profondément ambigu, non pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens où ça veut dire au minimum deux grandes choses à la fois, c'est-à-dire la localisation, les coordonnées spatio-temporelles précises, et en même temps l'être quelque part sur la terre, l'habitation. Disons, le collège est à la fois une adresse et une utopie. Utopie, c'est-à-dire non-lieu, hors-lieu. Alors, il ne peut pas y avoir d'utopie s'il n'y a pas un lieu. En même temps, bon, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a une mobilité de cette institution. En même temps, il est quand même très important que les pouvoirs publics, et en particulier le ministère de l'Éducation nationale, héberge le collège. Je crois que, comme Derrida l'a très bien montré, il y a une pensée de l'hospitalité qui est liée à cette institution, et je crois quand même très important que les ministères continuent à l'héberger, même si, effectivement, ça se déplace dans le monde entier, etc. Je crois quand même qu'il faut une maison, une demeure, un lieu public, politique, d'accueil de la structure. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans différents pays, vous m'avez parlé de ce qui se passe en Corée, en Espagne, on m'a dit la même chose récemment, beaucoup de jeunes chercheurs, ne trouvant pas de poste, inventent eux-mêmes des institutions. C'est très bien, on ne peut qu'encourager ce type de pratique, mais je crois quand même que les ministères doivent continuer à héberger, au moins en partie, ces institutions, parce qu'il y va quand même de la question du droit de cité, de la philosophie, ou de comme on voudra l'appeler, de façon globale. Donc mobilité, oui, mais en même temps, ancrage dans une demeure. Ça, je crois quand même que l'inconditionnel, ce qui est inconditionnel, c'est d'abord l'hospitalité. Donc je pense que, quand même, il faut avoir un noyau, un centre, qui serait sans doute à Paris, et justement, il faut penser à recréer des lieux, des filières ouverts un peu partout dans le monde. C'est d'ailleurs, bon, en tant que vice-président qui s'occupe de l'international à ce moment-là, justement, j'essaye de réaliser un projet de réseau international où justement, associer au collège d'autres institutions amies qui sont fondées sur des concepts communs. D'ailleurs, entre guillemets, je dois dire que je rencontre très souvent des gens, c'est un peu narcissiste, mais qui me disent très souvent, on a conçu nos institutions un peu sur le modèle du collège, on a pris d'inspiration du collège. Par exemple, récemment, j'ai reçu le directeur du collège Friedrich Nietzsche à Weimar, qui m'a confié justement qu'il a fait ça, d'autres dirigeants d'institutions aussi. Donc, le collège est conçu comme une sorte de modèle, si vous voulez, c'est comme un exemple. Donc, on a quand même une sorte d'obligation, il y a un devoir du collège d'être à la hauteur de ce modèle qui a été évidemment créé par ses fondateurs. Enfin voilà, en tout cas, la gratuité, c'est l'indépendance. Ce n'est pas le sacerdoce, forcément, hein, mais c'est l'indépendance. Et c'est aussi la possibilité, encore une fois, d'avoir un public. Je ne sais pas si ce sera une de vos questions, mais quand même, il ne faut pas oublier que aussi la différence du collège, c'est quand même d'avoir un public
qui n'est pas un public qui vient se former, donc un public extrêmement divers. C'est le problème aussi du collège, c'est-à-dire que il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent rien à la philosophie, d'autres qui sont extrêmement spécialisés en philosophie. Donc vous faites votre séminaire, et puis à la fin de la séance de 2 heures, vous avez une question où vous dites « Ouh là là, là effectivement, c'est très très complexe, je ne suis pas sûr d'avoir été à la hauteur, j'ai affaire aux spécialistes de tel auteur. » Et puis vous avez une question d'une naïveté incroyable. Donc effectivement, il faut savoir s'adapter. Mais c'est ce qui fait aussi, l'intérêt du collège, c'est que, et entre parenthèses, vous qui vous intéressez à la question de l'université, le collège a été pionnier dans le développement de ce qu'on appelle les universités populaires. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités populaires, il y a celle de Onfray, à Caen, il y a l'université aussi de Tous les Savoirs, de Michaud, mais il y a une mode des universités populaires qui ont explosé. Pour le meilleur, bon, je vous cite le meilleur, mais aussi pour le pire, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui ont trait plus ou moins à des choses café philo, etc. Bon, des choses complètement débridées qui n'ont pas grand-chose à voir avec la philosophie. Mais bon, le mot est là. Mais le collège a été pionnier dans cette affaire. Hein. Vous êtes allé sans doute déjà à des séances. Vous voyez qu'il peut y avoir, 5 personnes, comme il peut y en avoir 70 ou 200. Voilà. Et vous avez des gens, mais qui viennent de tous les horizons. Hein. Donc, tous les horizons intellectuels, mais tous les horizons sociaux aussi. Hein, parce qu'il y a quand même une demande de philosophie en France depuis, une ou deux décennies. Hein. Il y a une demande de philosophie où les gens ne vont pas à l'université, parce que c'est difficile, il faut s'inscrire, etc. Alors certains vont un peu au Collège de France, mais c'est quand même un peu difficile, alors que là, avec la centaine de séminaires par an, les gens peuvent trouver leur petit bonheur à aller écouter un tel ou un tel. Donc c'est un public très, très, très volatile aussi, hein, mais il y a aussi des fidèles, et c'est un public très très divers. Donc c'est ce que permet la gratuité. D'avoir ces gens-là. Le problème interne du collège, c'est-à-dire dans la vie du collège, peut-être qu'on pourrait dire qu'il tienne à la densité qui devrait être plus forte. Je m'explique. Ce qui manque incontestablement, c'est une vie intellectuelle plus active à l'intérieur du collège. Collège, ça fait un peu penser aussi au collège des Irlandais, au collège, je veux dire, à une activité de communauté. Communauté, c'est fait aussi pour se réunir, se concerter, travailler ensemble, s'interpeller, séminaire interne. Attention, si vous voulez, le défaut du collège, pour le dire avec un exemple brutal, il est le suivant. Quand il y a une conférence donnée par un d'entre eux, ou un enseignement, ou même une conférence tenue par un grand étranger, par exemple, à part quelques grandes vedettes comme Negri qui ramasse du monde, ou bien Agamben quand il vient, etc., mais qui sont des vedettes extérieures, il n'y a pas assez de travail en interne. On va voir qu'il y a ce soir-là, il y a 4 directeurs de programme sur 50 qui sont venus écouter ce qui aurait pu être un travail, un labeur plus collectif, plus d'échanges intérieurs. Plus d'échanges intérieurs. Ça, c'est. Je suis persuadé que ça m'en croit. Il y a un séminaire interne, mais il y en a 5 ou 6, il se tient 5 ou 6 fois par an. Il y a quelque chose comme un manque de densité intérieure. Ça, je pense que c'est le problème. Bon, mais disons, les difficultés du collège sont ceux dont je parlais à l'instant, justement, une certaine idée néolibérale de croissance, de rentabilité, de réduction pragmatique des savoirs qui impose que tous les domaines qui sont non pragmatiques, qui n'ont pas d'effet immédiat, sont un peu mis à l'écart. Et évidemment, la philosophie est le premier domaine où justement ces déficits se font présents. Donc le collège est en péril, hein, il faut le dire.
Maintenant, le collège ne meurt pas, il continue, et c'est magnifique, parce qu'il y a une pensée vivante qui s'effectue toujours, hein, même si les anciens, vous savez, les anciens ont toujours, toujours envie de dire « Ah, le collège, ce n'est pas ce que c'était, ce n'est plus ce que c'était, etc., de mon temps, etc. Enfin, » c'est le discours habituel dans tous les milieux, dans toutes les institutions, mais le collège continue de vivre. Ça, c'est formidable, et Derrida disait, quand aux 20 ans, Derrida a dit « Mais on m'aurait dit en 83 qu'on fêterait les 20 ans du collège, jamais j'y aurais cru. Hein » Il a dit « Mais jamais j'aurais pensé que ça tiendrait autant. Hein » les premières années, moi, il m'avait dit « Mais c'est affreux, j'ai passé la plus mauvaise année de ma vie quand j'ai dû diriger le collège. J'avais un ulcère à l'estomac, je prenais des médicaments sans arrêt, tellement c'était... » Bon, c'était une époque aussi de guerre absolue en interne entre ceux qui voulaient prendre la direction du collège. Bon. Mais jamais il n'aurait parié, si vous voulez, sur une telle longévité. Donc, ça dure, c'est parfait. Hein, la difficulté, c'est toujours de dire « Qu'est-ce que c'est le collège ?» Effectivement, moi vous me demandez, je vous ai dit, le collège c'est Collège International de Philosophie, mais voilà, les uns vont le référer à quelque chose de nietzschéen, les autres vont le référer à quelque chose de deleuzien, de derridien, etc. Non, même, il y a quand même eu aussi des analytiques qui sont arrivés au collège. Il y a eu à un moment donné de la phénoménologie, à un moment donné où il n'y avait que des deleuziens. Donc, si vous voulez, donc le collège est tout le temps en tension, il y a des vagues comme ça, il y a eu une vague aussi philosophie des sciences, etc. Et c'est très bien, c'est merveilleux que ce soit comme ça. La contribution de Derrida je crois que le livre là qui s'appelait Qui a peur de la philosophie, enfin le livre je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut résumer, enfin si tant est que ça ait un sens, sa contribution, c'est-à-dire que c'est un des seuls penseurs qui m'ait été donné de rencontrer qui n'a jamais eu peur de la philosophie. Je crois que moi, je le définirais comme ça. Qui n'a jamais eu peur de la discipline elle-même, mais aussi qui a eu le courage d'aller voir les institutions, etc., d'aller discuter avec les ministres. Il faut énormément de courage. Pour dire bonjour, voilà, je voudrais fonder une institution, quel collège intéressant. Il faut un courage remarquable. Hein. Il faut quand même y croire. Le courage aussi d'aller trouver les autres fondateurs, qui étaient souvent des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, le courage d'imposer ce style de recherche. Donc je crois que la contribution, c'est quand même cette leçon du courage, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas peur. Le collège n'est pas derridien. Je sais qu'à l'étranger, moi, souvent quand je me déplace, on me dit « Ah oui, le collège, c'est Derrida. » Hein ? Non ! Et Derrida n'a jamais voulu que le collège soit derridien. Et si vous regardez bien un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, le collège n'est plus derridien depuis longtemps. Bon, sauf bien sûr à travers Hélène Cixous sans doute, mais, ou quelques autres. Mais si vous regardez bien les programmes, vous verrez que depuis très longtemps, le collège n'est plus derridien. Et Derrida en était satisfait. J'en ai quand même souvent parlé avec lui. Hein, il souhaitait que le collège soit pris par... Même des adversaires. Moi, je disais à Derrida, j'ai dit, mais est-ce que franchement, on ne trahit pas le collège en invitant des gens qui ont été à ce point hostiles au collège, si vous voulez. Et Derrida disait, mais pas du tout. Il le faut, au contraire, il faut faire venir ces gens-là. C'était le principe chez lui de ce qu'il appelait la contre-signature. Hein, c'est-à-dire, ceux qui viennent après, bien, par rapport à l'acte fondateur, il le contresigne. Contresigne, ça veut dire effectivement, bon voilà, au bas d'une charte, on fait une signature, mais on signe aussi un peu contre. Alors c'est à la fois contre, on n'est pas d'accord, c'est aussi tout contre, on est tout prêt, mais cette contre-signature, elle peut avoir aussi des applications, des significations, des potentialités extrêmement variées. Et c'est ça le principe du collège, ce n'est pas une école. Souvent on pense que le collège est une école derridienne, rien de plus faux.
quel est l'avenir de la déconstruction ? Ah non, j'ajoute une remarque, c'est que Jacques Derrida, qui était d'une lucidité parfaite, exemplaire, savait très bien tout cela. Ce qui veut dire que les dernières années de sa vie, il, pour beaucoup de raisons, mais pour celle-ci, il s'est amicalement distancé du collège, pour que le collège ne soit pas trop déridien, puisque entouré d'ennemis, on peut évoquer les histoires à Cambridge, en Angleterre, n'importe quoi, la French Theory, comme la raconte Cusset ou autre, etc., les hostilités fantastiques dans le monde anglo-saxon, comme vous le savez d'un mot, les départements de philosophie aux États-Unis n'enseignent pas, n'ont rien à voir avec tout ça. Parce que ce devient le devenir de la neuroscience, sciences cognitives, bon. Donc, Jacques Derrida s'est éloigné amicalement, mais ça veut dire, bon, le collège, allez-y. Que ça devienne ce que ça peut devenir. Hein. Donc il s'en est détaché. En même temps, c'est aussi une forme de protection du collège. Oui, évidemment, la contribution de Derrida est fondamentale. Pour l'idée du collège, il ne faut pas non plus diminuer la contribution des autres trois fondateurs du collège, Jean-Pierre Faye, François Châtelet et Dominique Lecourt, évidemment. Mais ce qui est très évident, c'est que peut-être Derrida a investi son concept philosophique, l'idée de déconstruction au sein même d'une institution, comme je l'ai dit, paradoxale, aporétique, puisqu'elle crée le cadre institutionnel pour accueillir ce qui reste inimaginable, pour accueillir l'événement qui est toujours inimaginable au départ. Alors, pour son rôle, au départ, vous le savez, c'est lui qui a eu l'idée du collège, qui l'a fondé, qui a été son premier président. Au moment où il est mort, j'ai écrit un petit texte en Libération dans lequel je disais « Il faut maintenant considérer que le collège, ça fait partie de l'œuvre de Jacques Derrida. Il y a ses livres, mais il y a aussi ce qu'il a fondé. Le collège est une œuvre, comme un livre, et peut-être plus qu'un livre, parce que ça continue à... Enfin, autant, même si c'est d'un ordre différent. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. C'est quelque chose qui, pour moi, reste fondamental. Il est une sorte de... Je ne parle pas de l'aspect humain, je ne pense pas que ce soit ça le sens de votre question. Je pense que pour tous les gens qui ont travaillé au collège, ou qui restent proches du collège, Derrida et l'esprit dans lequel il a fondé le collège restent une sorte de référence qui donne à chaque moment le relief à toutes les actions que nous faisons. Voilà. Par rapport à ce qui s'est pensé à ce moment-là, écrit à ce moment-là, fait à ce moment-là, proposé, projeté à ce moment-là. Mais c'est une figure qui, évidemment, je vous dis, pas seulement parce qu'il a fondé le collège, bien sûr parce qu'il a fondé le collège pour nous, mais parce qu'il a fondé le collège dans l'ensemble d'un paysage qui est son œuvre, qui donne à tout ce que nous y faisons son sens. J'aime encore mieux le mot de relief que le mot de sens. Hein, ça, c'est une façon de nous situer en permanence, que la référence à cette œuvre-là. Et dans l'œuvre, j'inclus le collège. Voilà. D'abord, je citerai un épisode que j'ai trouvé très marquant, très fort, qui a été la conférence qu'a donnée Jacques Derrida. C'était en novembre 2003, si je me souviens bien. Il l'a donnée pour les 20 ans du Collège de Philo, qui avait été organisé par le président d'alors, François Nudelman. C'était en novembre 2003 et Jacques Derrida était déjà malade. Et il a parlé longuement, de façon admirablement claire, parce que j'ai toujours été frappée par la façon dont quelqu'un comme Derrida adaptait toujours les modalités de son discours au lieu institutionnel dans lequel il se trouvait. Et
Il a justement évoqué le « qu'est-ce que les Lumières de Kant ?». Et pour la 18e-iste que je suis, c'était très important parce que ça enracinait, ça reliait le collège à un certain esprit des Lumières qui n'est pas la doxa des Lumières qu'on voudrait nous faire croire. Et il a évoqué justement le fameux « sapere aude ». Sapere aude, ose penser par toi-même, qui est la phrase fameuse du Qu'est-ce que les Lumières de Kant. Et il commentait longuement ce point qui est absolument remarquable dans le texte kantien, qui est que lorsque Kant parle de la minorité, cette minorité qui doit finalement se rendre responsable d'elle-même, la minorité n'est pas interprétée comme innocence, comme incapacité, comme irresponsabilité, mais elle est posée par Kant comme une responsabilité de la raison ou de l'entendement en charge de lui-même. Et c'était émouvant d'entendre cet homme déjà malade réaffirmer en quelque sorte ce lien du collège et de la Oufléron, et cet effort de l'entendre parler d'une certaine idée de la minorité et de la responsabilité. Puisque je pense que le collège représente aussi une forme de minorité, mais qu'il faut avoir le courage d'assumer en quelque sorte sa minorité comme responsabilité, et oser déconstruire en quelque sorte. J'ai cette première expérience et je me rappelle que j'étais en première année de DEUG en philosophie, j'étais à Tolbiac, à la faculté de Tolbiac à l'époque. C'était autour de l'année 1980 et donc on avait annoncé le premier jour de travaux pratiques que le vendredi de cette semaine-là, il y aurait dans l'amphi principal et Derrida allait venir pour parler justement à tous les étudiants de philosophie qui commencions cette année du groupe de recherche et d'enseignement de la philosophie. Donc l'expérience que je vais vous rapporter, c'est je suis venu donc avec un ami et on s'est retrouvé dans cet énorme amphithéâtre et où Derrida est venu nous parler du greffe. Et donc là, Derrida a commencé à parler de la recherche du greffe, de l'importance de s'intéresser pour les étudiants à la crise de l'enseignement de la philosophie. À l'époque, on parlait beaucoup de cette crise, il y avait quand même un esprit très contestataire à l'époque, plus même que maintenant. Et je me rappelle que moi, avec un ami étudiant qu'on était là, on dit on va provoquer un peu. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le greffe, ni de ce qu'était à l'époque. Tout ça, je commençais ma carrière philosophique, mais j'étais très politisé par contre, parce que j'avais été militant dans le secondaire. Et je me rappelle que j'ai levé la main et je lui ai demandé à Derrida, mais monsieur Derrida, je lui ai dit, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait que la philosophie qui soit en crise, j'ai l'impression plutôt que c'est tous les systèmes capitalistes qui s'effondrent. Je lui avais dit ça un peu provocateur. J'ai l'impression que c'est tout le système capitaliste qui s'effondre. Et je me rappelle que Derrida a eu un geste ironique, comme il a souri, comme en disant « Mais bon, vous aurez le temps de comprendre qu'on ne peut pas attaquer tout ce problème. » Que là, il faut vraiment se concentrer et sur les problèmes de l'enseignement de la philosophie. Et que c'est une manière aussi, n'est-ce pas, en se concentrant sur les problèmes de l'enseignement de la philosophie, c'est une manière aussi de résister à cette mainmise du capitalisme sur l'ensemble de la société. Et donc cela m'a marqué parce que je partais d'un autre point de vue, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut attaquer le système pour pouvoir avancer, sans comprendre que finalement défendre la place de la philosophie est déjà une manière de résister. Et c'est là, je pense que ça m'a marqué. C'est-à-dire, comment peut-on faire de la philosophie un lieu de résistance qui n'est pas tout simplement la petite île des philosophes qui défendent leur petite corporation. Défendre la philosophie, c'est défendre un type et résister un type de développement de la société. C'est lutter pour l'espace de l'ouverture. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est le message qui m'a marqué de Derrida.
en notre ère troublée de capitalisme mondialisé, quelle institution de recherche et d'enseignement serait à même de garantir la pérennité des humanités? La recherche et l'éducation appellent une institution qui soit à même de mener un questionnement radical sur l'époque où nous vivons, à même aussi de nous permettre de penser le nouveau paradigme dans lequel nous sommes pris. Aussi la question de l'institution, en tant qu'elle enveloppe la question des conditions mêmes dans lesquelles peut avoir lieu la question essentielle, constitue-t-elle la question de la question? Nous ne pouvons maintenir le pouvoir de résistance de la philosophie qu'en remettant perpétuellement en cause les relations que celle-ci entretient avec l'institution établie, qu'en imaginant ce que pourrait être une institution à venir, ce qui revient aussi à donner forme et puissance au don de l'hospitalité que Jacques Derrida nous a aidé à penser. Que sommes-nous en droit d'espérer des humanités? Et comment relancer leurs possibilités, laquelle est, à la vérité, inséparable et indissociable de la possibilité du droit à la philosophie?